Je m'appelle Aaron Diop, je suis le chef de service des soins infirmiers, et point focal surveillance épidémiologique de l'hôpital Abasna. Comme vous le savez, c'est une épidémie qui sévit au niveau du pays, Abasso étant une structure hospitalière, sanitaire en, en général, donc Abasso est dans le dispositif global mis, mis sur pied par, par le ministère de la Santé. Donc comme vous l'avez constaté, on a mis sur pied un circuit par rapport au cas éventuel. Si toutefois un cas suspect se présentait devant nous, oui, je pense que vous l'avez bien remarqué, à l'entrée, il y a des gens qui sont préposés avec des thermoflèches. Et donc, euh, la stratégie, ça veut dire que tout, toute personne qui entre à l'hôpital est testée. Si la température dépasse 38,5, là, on alerte, on, on informe le coordonnateur, que je, le coordonnateur que je suis et moi, je saisis la cellule d'alerte nationale après isolement et mise en quarantaine pour faire euh, pré, euh, probablement le bilan. Si le bilan revient positif, il sera transporté par le niveau central. Si le bilan revient négatif, là il entre dans le circuit de traitement comme les autres malades. Non, on n'a a pas encore reçu de cas suspect depuis l'installation du dispositif. Et nous espérons que peut-être on n'en recevra pas. Oui, effectivement, parce que nous avons un comité de riposte qui est dirigé par, le, par la présidente de la commission médicale d'établissement. Et donc euh, le comité a organisé une formation pour tout le personnel sans exception. Aussi bien le personnel soignant que le personnel administratif et que le personnel de soutien. Donc, je pense que ça aussi c'est une bonne pratique que nous sommes en train de faire. Et je pense que hier même, c'est hier qu'on a terminé le deuxième lot de la formation du personnel. No, hier, hier, on a eu un cas, un, un chauffeur de taxi qui est venu pour euh, se signaler en disant qu'il avait transporté des, des Français. Et c'est par la suite qu'il a appris que ces Français sont mis en quarantaine. Et donc, il est venu de lui-même pour vraiment se signaler. Et donc, on l'a testé, on a vu qu'il n'y a pas de fièvre. Et nous l'avons demandé de, 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 de faire attention, de, 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 de se mettre si possible en quarantaine ou bien de se faire signaler au niveau national. Donc à part ce cas, on n'a pas eu de cas. Mais comme vous le dites, il y a la psychose qui anime la population. Et là, nous invitons la population à la sérénité. Parce que je pense que s'il y a la psychose, il y a une perturbation, il y, y a panique. Et quand il y a panique, souvent, ça perturbe beaucoup de choses. Et donc vraiment, nous demandons aux gens, aux, 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 à la population que c'est une pathologie, c'est une épidémie, c'est une maladie. Et Dieu merci, ça se traite pour le moment, parce qu'on a eu des cas guéris. Donc là où nous lançons un appel, c'est que les gens, quand ils voient des choses qu'ils ne comprennent pas, qu'ils aillent le plus rapidement possible dans, les, dans la structure la plus proche, ou bien appeler le 15-15, vraiment s'ils sont dans le doute. Donc vous savez, nous sommes dans un milieu qui est toujours un milieu de risques. Et là, c'est un sacerdoce, c'est un choix que nous avons fait en épousant le métier. Et nous sommes conscients que c'est un métier qui va avec un risque, vous l'avez dit tantôt. Et même sur les cas d'épidémie qui s'est déclaré antérieurement, le cas d'Ebola, tout ça là, si vous avez vu les personnes soignant qui est décédé par rapport à ça, c'est normal. C'est vrai que c'est une situation qui est là et nous sommes obligés parce que c'est un choix. L'essentiel, ce que nous demandons, qu'on ait vraiment un, un matériel de protection, vraiment pour faire face à l'épidémie. Mais en ce qui concerne les personnes soignantes, je pense que les personnes soignantes sont sereines par rapport à l'épidémie. Effectivement, jusqu'au moment où nous parlons, il n'y a pas de réticence par rapport au dispositif. Donc, vraiment, la, les visiteurs collaborent, euh, les malades collaborent, la population collabore. Et nous pensons que ça va continuer ainsi.